voir dans le titre, aujourd'hui, j'ai le colis que j'ai commandé sur le Darknet. Franchement, je suis un peu en stress parce que vu tout ce que j'ai vu sur Internet, tous les gros youtubeurs qu'on a acheté, qu'on a déballé, ça me fait un peu stresser. J'ai peur de tomber sur un truc de fou. J'ai vraiment peur de tomber sur un truc de fou. Mais en attendant, là, on va ouvrir tout de suite le colis. En plus, il est... Il y a du poids, mon ami. Il est quand même lourd, ce truc. Ah, il y a une odeur. Ah, laisse tomber. Ah, faut peut-être que je mette des gants. Je les ai mis où, les gants? Faut que je mette des gants. Je vais mettre des gants, j'en reviens tout de suite. Voilà, j'ai pris ce qu'il faut, j'ai pris des gants parce que j'ai vu dans des vidéos, il y a un mec qui a trouvé un truc trop bizarre. C'était des gants comme ça, il y avait une piqûre, il s'est fait piquer, je crois, il a fini à l'hôpital et tout. Mais ça va, je crois, il a rien eu. Ça va chier. Vas-y, je m'assois parce que... Allez, vous êtes prêts? On va déballer, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est bizarre. Il est trop chelou. Un bandage. Ah, c'est ça qui pue! Waouh! Waouh! Vas-y, je le jette direct dehors. Ah, ça pue! Ah, ça pue de ouf! Ah! C'est trop bizarre, un bandage, on dirait les petites ceintures de femme. Une ceinture. Un chiffon. C'est pas un chiffon. C'est une robe, genre. What? Ouais, j'en tremble, tu sais quoi? Ça me fait peur. Une robe. J'ai pas commandé un colis de vêtements. Non. Tu vas même pas croire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Vache. Un iPhone. C'est pas les iPhone 5, non, c'est SE, c'est les iPhone SE. Il est dedans en plus. Là, ça appartenait à une fille, une coque de fille et tout dessus. J'essaie de l'allumer. Ah, il s'allume pas. Ouais, il y a la Xbox et tout qui s'allume, là, ça devient bizarre. Et il s'allume pas, il y a même pas le logo qui s'affiche, quoi, normalement. Il y a un logo qui s'affiche quand il n'y a plus de batterie, pour te dire. Je sais pas, on essaiera de le charger, on verra ça plus tard. Wow. C'est une mauvaise blague, c'est sûr, c'est une mauvaise blague, c'est ouf. Ah là, je vais flouter tout ça, de toute façon. Bizarre. On va mettre tout ça dans la boîte, hein, parce que franchement, c'est trop bizarre. La drogue. Wow. Un téléphone, une robe, une ceinture, le chiffon. Non. Wow, c'est tout rouillé.
mouillé. Oh, j'ai bien fait de mettre des gants, regarde. Dégueu. Tu crois que c'est un lien avec la robe et le bandage et tout, la ceinture? Je sais pas, c'est chelou. Wow. C'est tout rouillé. Putain, j'en ai plein sur les mains. Ah, c'est pas gueule, c'est dégueulasse. Ça c'est pareil, je le fous dehors. Ça. Si je chien là-dessus. Oh, c'est quoi ce truc? Oh. Qu'est-ce que c'est? Je sais quoi. Oh my god. Oh, regarde-moi la lame. C'est quoi ce truc de ouf? C'est pour couper des tranches. Tu crois que c'est pour couper des tranches de bouffe? Pour des humains? Oh, c'est chelou, non? Ouais, y'a plus rien. Y'a plus rien. Oh, franchement, je regrette peut-être d'avoir acheté ça. Franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. J'en ai eu pour 135 euros. Mais franchement, c'est super bizarre. Ça a mis super longtemps à venir en plus. Je l'attendais. Ouais, ça fait ouais, peut-être un mois, hein, facile. Ouais, ça fait un mois, je crois que j'ai dû commander. Ouais, franchement, c'est spécial. Mais le téléphone, là, je vais mettre à charger et on verra ce qu'il y a dedans. On en parlera dans une prochaine vidéo. On verra ce qu'il y a dedans. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, une ouverture de colis comme ça. Si vraiment ça vous a plu, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez qu'on en refasse une, on peut en refaire une. Je serais peut-être pas trop chaud à 100%, mais bon, on va essayer de commander autre chose, voir. Ou alors les colis mystères, ça peut être autre chose, parce que ça c'est quand même dans un délire. En tout cas, ça va, je suis pas tombé sur des taches, sur des trucs bizarres, à part une odeur bizarre, une robe bizarre, il n'y a pas eu trop de... Ah si, c'est chelou quand même, des médocs là, ou je ne sais pas quoi. Allez vous balader sur le dark web, vous allez voir, c'est vraiment bizarre. Attention sur ce que vous allez quand même, hein. Il y a des choses qui sont assez bizarres à voir. Si vous êtes sensible, n'allez même pas, n'allez pas faire de tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Lâchez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, donnez-moi de la force, ça me fait super plaisir. Merci à vous, ciao les potos.